Le ministre de la Jeunesse a procédé au Palais des Sports à l'installation du bureau du Conseil national de la jeunesse. Le compte-rendu de Charles Ogula et Eric Kassa. Le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse, désormais à pied d'œuvre pour la restauration des valeurs de la jeunesse gabonaise. Nous n'aménagerons aucun effort pour inscrire notre mandat sous les trois axes principaux. Si après, le premier axe est consacré à la restauration de la valeur jeunesse. Le deuxième axe consiste à se servir d'incubateur pour le renforcement des capacités à travers la formation de haut niveau. Le troisième axe, enfin, la plus grande richesse de l'Afrique est la jeunesse de sa population. Le ministère de la Jeunesse n'a ménagé aucun effort quant à l'aboutissement de ce processus. C'est donc à juste titre que vous avez bénéficié, grâce à la clairvoyance du chef de l'État, d'une dizaine de jours supplémentaires sur le calendrier initial de collecte de contributions pour vous donner la possibilité d'aller rencontrer sur l'ensemble du territoire national un maximum de jeunes des lycées et collèges, mais aussi ceux déscolarisés afin d'y recueillir leurs préoccupations et contributions. C'est la preuve, s'il en était encore besoin de le rappeler, que les problèmes qui touchent à votre avenir sont au cœur de la politique gouvernementale conduite par le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Monsieur Raymond Dongsima. Le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse a été élu le 9 octobre 2023 pour un mandat de 3 ans.